Bonjour les créateurs de création, aujourd'hui c'est Crayon qui parle, sortez vos crayons, vos effaces et c'est parti! Donc aujourd'hui, petite vidéo si vous manquez d'inspiration pour faire une activité avec votre famille. C'est une activité qui est fun à préparer, qui est créative et qui demande un peu de recherche, mais somme toute, va pouvoir amuser les enfants, les ados et même les adultes. Tout le monde va y trouver sa part de plaisir. Premièrement, on va pouvoir commencer par trouver quelles sont les personnes qui vont pouvoir être présentes à votre activité. Il va falloir essayer de prévoir le nombre de places dans les voitures, s'il y a des chiens, s'il y a des enfants. Il va falloir aussi préparer les équipes. Est-ce que vous les laissez choisir? Est-ce que vous faites vous-même les équipes? Ensuite, il va falloir se demander si c'est eux qui apportent la nourriture, si c'est eux qui apportent leurs chaises, comme vous voulez. Ça, c'est des questions normales qu'on se pose toutes quand on organise une activité. Ensuite, on arrive à mon activité, à la course hors du temps. Et cette course-ci, c'est une course qui n'est pas comme les autres parce qu'elle est non seulement un peu historique, mais elle est aussi amusante pour tout le monde. Donc la première étape, ça va être de choisir des lieux dans votre ville qui sont historiques, qui ont une histoire. Ensuite, vous allez pouvoir créer une histoire autour de tous ces lieux-là, d'enrober, de pouvoir mettre un peu de viande autour de l'os, pour pouvoir tout simplement créer un peu de mystère, un peu une ambiance autour de ces histoires-là qui puissent se sentir à l'intérieur participant de l'histoire. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller prendre des photos de ces endroits-là pour pouvoir leur montrer où aller exactement. Et ces photos vont être très importantes parce qu'ils devront les reproduire avec leur équipe là-bas et prendre eux-mêmes la photo au même endroit. Ensuite, essayez de repérer un peu les lieux parce qu'il va y avoir des objets à cacher. Donc ici, j'ai quelques objets qui sont résistants aux intempéries, c'est des petits animaux, donc c'est cute pour les enfants et pour les adultes, c'est facile à repérer. Et donc, ça va être à placer tout simplement au travers de vos décors, au travers de vos lieux. Si il les trouve, il va avoir une récompense et s'il les trouve pas, malheureusement, ça va mal aller pour eux. Je me suis fait un petit fond blanc, donc j'ai pris les photos comme ça. Ensuite, j'ai fait sur mon site internet, en ce moment, je suis en train de composer un texte. Et là, j'ai mis toutes les petites photos. Donc, j'ai trouvé ça. Hoppy! Je suis pas encore allée les porter parce que le jour J n'est pas encore arrivé, mais vous allez pouvoir avoir des petites images de quand je suis allée les porter pour voir un peu où c'est que je les ai cachées. En ce moment, on est dans voiture pour aller porter les petits jouets. Donc on va aller porter les petits jouets puis je vous montre ça quand on est dans la boîte. Du coup, en ce moment, on est à un des lieux et on va aller placer le petit crocodile. Et donc, en fait, ces petits animaux-là vont permettre de pouvoir cacher tous les ustensiles, entre guillemets, de votre souper. Vos invités vont arriver à partir de l'avant-midi et vont apporter un lunch froid pour pouvoir s'amuser et manger en même temps de faire la course. Et le souper va être à la maison ou dans un lieu où vous allez pouvoir toutes vous rassembler et manger ensemble. Sauf que ceux qui vont trouver, exemple, le petit singe pendant la course, ils vont pouvoir manger, exemple, avec une cuillère ou une fourchette. Donc moi, en fait, j'ai 7 lieux à trouver, dont un qui n'est pas obligatoire. Donc, il va y avoir un petit panda, un crocodile, un koala, un flamant rose, un paresseux, un espèce de chien ou je sais pas trop quoi, et un petit singe. Naturellement, vous pouvez choisir les animaux, les objets que vous voulez, vous pouvez cacher des choses plus grosses, des choses plus petites. C'est comme vous voulez, ça dépend du punch et aussi du mystère et de la difficulté que vous voulez mettre autour de vos objets à trouver. Donc voilà, un coup que vous allez avoir pris les photos des lieux, que vous allez avoir en tête pourquoi ils sont historiques dans votre ville et aussi qu'est-ce que vous pourriez ajouter pour que ce soit encore plus intriguant, attachant et que vous avez trouvé tous vos petits objets à cacher, vous pouvez passer à l'écriture du texte. Alors moi, j'ai écrit un texte vraiment énorme parce qu'il y a une mise en situation et parce qu'il y a une explication avec tout ce qui est historique. Dans la description, je vous ai mis un lien de ce texte avec le nom de ma ville qui est barré, enlevé, mais vous allez pouvoir voir en fait tout ce qui est un peu comme exemple pour pouvoir faire quelque chose un peu semblable. Vous allez pouvoir mettre une mise en situation qui peut être n'importe quoi. Vous pouvez partir sur un côté féerique, un peu science-fiction. Vous pouvez y aller avec plein
plein d'exemples. Vous pouvez même essayer d'organiser quelque chose au travers d'une série Netflix qui existe déjà. Ensuite, un coup que votre histoire est créée, que votre texte est écrit, que vos photos sont prises, le plus important va être de clarifier vos règles et de prévoir toutes les petites choses qui restent à faire. J'ai écrit tout ce que je voulais pour pouvoir, dans le fond, noter mes idées de comment faire quelque chose de mieux. Ensuite, j'ai préparé des inscriptions pour pouvoir participer au jeu. Ici, on a une feuille et j'ai pu accrocher des petits cartons de leur couleur d'équipe qu'ils vont pouvoir mettre dans leur voiture. Sur le papier, ils peuvent écrire leur nom d'équipe, comment il y a de place dans leur voiture, qui seront les participants dans leur équipe, aussi l'heure de départ, l'heure d'arrivée et les animaux trouvés. Parce qu'en effet, depuis le début, je le dis, c'est une course et une course, on compte le temps. Pour pas trop qu'ils puissent se croiser, j'ai décidé qu'ils allaient partir à des heures différentes. Donc ça va être important de noter l'heure de départ et l'heure d'arrivée pour pouvoir voir qui a pris le moins de temps. Ça, c'est ce qui va être agrippé à leur voiture, donc ils ont leur couleur. Et en arrière, j'ai écrit un petit mot. C'est écrit « Marquez votre nom d'équipe au verso et mettre cette étiquette visible dans votre voiture. » Donc si une voiture arrive et que l'équipe voit qu'il y a déjà un petit carton, ils vont pouvoir se dire qu'ils sont pas mal en avance parce qu'ils sont pas partis en même temps. Ensuite, j'ai fait une petite liste de toutes les règles à suivre, les règlements du jeu. Donc respecter le code de la route, ça va être super important parce qu'il faut que personne en sorte blessé. Ensuite, prendre des photos à chaque endroit avec tout le monde sur la photo. S'il y a une photo qui manque ou s'il n'y a pas une personne sur la photo n'est pas comptée, ils sont soit disqualifiés ou ils devront tout simplement aller reprendre la photo en ajoutant du temps. Ensuite, on va avoir du fun, ne pas regarder les lieux suivants parce que tout est dans le même PDF. Donc ils vont pouvoir aller voir les lieux suivants, mais le but est de vraiment ne pas y aller. Ensuite, il va falloir qu'ils marquent l'heure du départ et l'heure de l'arrivée. Et finalement, ne pas regarder le lien du jeu avant d'avoir inscrit l'heure du départ. Donc, petit parapluie parce qu'il mouille et voilà ce que ça donne. Donc, les règles du jeu et les inscriptions. Et donc, finalement, qui dit départ, qui dit course, dit gagnant. J'ai fait des petits certificats. Bon, donc, j'étais en train de continuer ma chasse au trésor. Ouais, mon bureau, il est pas plein du tout. Donc ça, c'était mon brouillon, ça ressemble à ça. Et ça, c'est le lac de la V2. Yeah, c'est tellement plus beau. Donc pour faire ça, j'ai utilisé un calque que j'ai fait directement sur mon brouillon que j'ai remis juste là. Ensuite, j'ai utilisé un peu de peinture aquarelle avec ce petit crayon qui peut fonctionner vraiment de plusieurs manières. J'aime beaucoup trop ça. Et donc voilà, j'ai pris un peu d'eau, un pinceau et ça donne quelque chose de vraiment, vraiment beau. Je savais pas comment il allait avoir de personnes par équipe parce que certaines voitures pourront avoir 8 personnes quand est-ce que d'autres vont pouvoir en avoir juste 5. Donc j'ai fait un certificat par équipe pour les 3 équipes qui arriveront en premier. Donc premièrement, j'ai fait un petit bienvenue pour ceux qui vont arriver. Et ensuite, j'ai fait des petites félicitations comme ça pour les certificats. Donc il y a eu pour la 3e place, la 2e place, la 1ère place. Donc ils sont tous un peu pareils. Mis à part ce qui est écrit ici, donc gagnant avec un peu d'or. Ensuite, le matin même, je vais devoir me lever vraiment tôt. Je vais aller porter les petits objets partout dans la ville. Donc, ça c'était la première partie de la vidéo et dans quelques instants, vous allez avoir la seconde partie qui vous expliquera les commentaires que j'ai eus et comment ça s'est passé, si c'était amusant ou pas, ce qui serait à améliorer ou pas. Donc comme ça, vous allez pouvoir avoir les commentaires et ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai fait pour améliorer votre jeu. Donc on se revoit tout de suite. Donc très bonjour, aujourd'hui on est le lendemain de mon activité et j'avais envie de vous dire l'update, comment ça s'est passé. Alors du coup, il y a des choses qui se sont moins bien passées que prévu, des choses qui se sont mieux passées que prévu. En fait, pour ce qui s'est moins bien passé, je dirais que ça a été l'organisation matin. Je m'étais levée assez tôt pour pouvoir aller placer les objets là-bas, comme vous avez pu le voir, mais on a un peu manqué de temps. Quand on est arrivé aussi à un des lieux, il y avait déjà beaucoup de monde, donc je me sentais mal à l'aise de placer un objet qui voit tout où je le place. Il aurait pu aller juste le chercher puis l'enlever, donc on a dû y retourner plus tard.
et faire 6 lieux en une matinée pour cacher des objets, je vous avoue que c'était assez serré, sachant qu'il y en avait qui étaient à une trentaine de minutes aller-retour, mettons. Donc ça, c'était la partie qui s'est un peu moins bien passée. Mais vu qu'on était deux, mon père a fini par aller juste replacer les trucs pendant que moi, je continuais de préparer la maison. Donc en se séparant ça, c'était déjà mieux. Ensuite, une autre chose qui s'est moins bien passée, ça a été l'organisation de quand tout le monde est arrivé. Le fait que vu que tout le monde n'est pas arrivé en même temps, expliquer les règles, ça a été quelque chose d'assez complexe. Il y en a qui étaient dehors pendant qu'il y en a qui étaient en dedans. Donc moi j'essayais d'expliquer, mais j'expliquais à ceux qui étaient à l'intérieur. Donc ceux qui étaient à l'extérieur ont juste pas eu les explications. Et sinon, ben, on a caché les objets beaucoup trop difficiles. C'était extrêmement difficile à trouver pour eux. Mais en même temps, c'était ça le but, du sens où s'ils trouvaient pas, ils avaient pas droit à leur fourchette, à leurs ustensiles. Donc c'était ça le but, que ce soit beaucoup trop dur, mais je pense que ça leur a pas plu parce qu'ils ont passé leur temps à écrire sur le groupe ou à juste appeler pour faire genre le son ou les trucs. Le reste, ça s'est bien passé. Je crois aussi qu'on a fait trop de collations. Il y avait fait beaucoup de collations, j'avais fait des pommes séchées, des biscuits. J'avais fait aussi un gâteau au fromage, on avait acheté un gâteau making, on avait pris de la crème fouettée, fait qu'il y a eu en masse de desserts. Par contre, niveau repas, là, je pense qu'on a manqué un peu de lasagne. Je sais pas s'il reste du spaghetti ou pas, je m'en rappelle plus, mais ça a été pas mal serré. Il restait presque rien, enfin, il y avait plus de salade, il y avait plus de pain, c'était tout mangé. Mais au moins, il n'y a pas eu de gaspillage, donc ça, c'est un point très positif. Pour le dernier défaut, ou chose qui s'est mal passée en tout cas, c'est que j'ai pas eu le temps de relire mon texte, donc il y avait beaucoup de fautes d'orthographe. Donc ça a été un point assez négatif. J'ai écrit cheveux à place de chevaux à un moment donné aussi. Donc ça a été quelque chose de négatif, je crois, mais c'est pas grave parce que je savais que c'était juste ma famille. Fait que c'est pour ça que là, en le sachant, je vais essayer de refaire plus attention à ça les prochaines fois. Pour ce qui est du positif, il y a beaucoup de choses. Les gens ont eu beaucoup de fun. En tout cas, ma famille m'a donné des très bons commentaires. Je crois qu'ils ont eu une très belle journée. Il a failli mouiller toute la journée, c'est ce qu'ils prévoyaient. Mais en fait, ils sont arrivés, ils s'est mis à mouiller. Puis d'un coup, quand tout le monde est arrivé, ça a arrêté de mouiller. Puis il a pas remouillé jusqu'à ce qu'il ait fini. C'est sûr que j'ai pas eu de commentaires explicites sur qu'est-ce qui était le fun. Juste dit que vraiment tout était bien fait. Mais que le texte, en fait, surtout, ça m'avait pris beaucoup de temps de travail. Puis je pense que les gens, ils ont vraiment remarqué que c'était complet, que c'était bien fait. Moi, ce que mes parents m'ont dit, en tout cas, c'est que c'est quand t'écris un livre. Parce que c'était vraiment très bien fait. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'informations que même ma mère qui habite ici depuis sa naissance ne savait pas. Bon, je pense que c'était très complet pour ça et ça, je peux en être fière. Donc ça, j'étais contente d'avoir appris justement des choses aux gens de ma famille qui sont venus chez nous parce qu'ils habitent pas ici en temps normal. C'est ça que je pense qui est le plus important en fait au travers de toute cette activité. C'était plus de passer du temps ensemble que de vraiment faire quelque chose de vraiment précis. Il faut que ce soit strict. Non, c'était pas le but, honnêtement. En réalité, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de positifs là-dedans. Mais juste, c'était de le vivre, c'était le moment. C'était dans le fond d'être avec notre famille. Donc je pense que ça, c'était le plus positif, que ça s'est super bien passé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était une activité très enrichissante, je sais que ça va m'avoir permis d'apprendre et je vais pouvoir tout simplement refaire des choses un peu comme ça. Ça m'a vraiment plu, faire des recherches un peu, de mettre des faits historiques en même temps, de faire une mise en situation. Si vous allez lire le texte, vous me direz vos commentaires. Et sérieusement, moi j'ai vraiment trippé à faire ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner parce que c'est gratuit et en plus, comme je vous l'ai dit, ça vous permet de vous régaler encore plus. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao!